La paroisse de Jumet-Gohissart fête ses 150 ans. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis cette avalanche de souvenirs. Ça vaut vraiment la peine. Et pour commencer, on va faire un petit tour dans les environs de l'église pour rafraîchir la mémoire de ceux et celles qui ont quitté cette paroisse depuis longtemps. Alors là, je ne sais pas si certains vont se reconnaître. Ça, c'est la célèbre église de Jumet-Gohissart. Je suis dans la rue d'Estrée. Je pense qu'au numéro 1, c'était Tintinaglia qui habitait. Et est-ce que c'est possible, ça soit au numéro 3, que Lucien Chevalier se trouvait? Les autres maisons, je ne m'en souviens plus. Je crois que la troisième là-bas, ça a été Delis de Kerck. Et donc, voilà la rue d'Estrée. Incroyable rue Jules d'Estrée, une pharmacie qui s'est transmise de père en fils avec l'église qui est là, la place de Jumet-Gohissart. Tout ça s'est fort changé, évidemment. La rue de Marchienne, tous ces magasins fort changés. Là maintenant, c'est la place de Gohissart, la rue du bureau de police, comme on disait, qui descend en roue. Alors, les cafés, c'est toujours les mêmes. À l'horloge, Washington, comme on disait, Washington, la Renaissance. Un peu plus loin, c'est la boucherie Landrin avec une bijouterie qui était à côté. Et évidemment, ici, la Grande Dame. Et puisqu'on y est, je continue. Elle s'appelle aujourd'hui Place du Ballon, avec la maison de tous qui est toujours là, un carreau cassé, on ne sait pas pourquoi, et l'entrée, j'irai prendre un verre. Le terri de Gohissart, c'était un long mur ici. De ce côté-là, on passait au-dessus du mur et on allait dans ce terri aujourd'hui. À l'époque, c'était tout noir. Aujourd'hui, c'est vraiment agréable. Ce sont des petites montagnes avec diversité d'oiseaux, de plantes, etc. Place de Gohissart, on descend. Ici, c'était, je crois, un grand magasin de vêtements. Waouh ! La rue César de Pape. La maison Peters. Et la rue de Wist. La rue de Wist, ça, on la connaît. Les maisons, on s'y retrouve un petit peu. Et alors, ça serait-il pas la maison des Mayence, qui est toujours là et qui est devenue de l'école, avec une entrée qui va... Je vais essayer d'entrer. Eh bien, j'ai l'impression que se retrouve... Tiens, les peupliers, ils ont grandi là. La maison du curé Leclerc, c'est sûrement devenu appartient à l'école. Et alors ici, un bâtiment qu'on connaît, le patron. Du moins l'ancien bâtiment du patron, mais c'est toujours les mêmes briques. Avec sur le côté le mur, et derrière c'est le jardin des Mayence. Alors évidemment les classes, le préau, il y avait un préau là-bas. Et les classes qui ont été rénovées. Pas évident de filmer à travers les barreaux. Ça, c'est la cour de derrière. Tout ça, évidemment, a pris de l'ampleur. Alors, avec ce qui a fâché énormément les voisins, les pilettes qui habitaient ici. Maintenant, ce sont les vélos. Et avant, c'était les pilettes qui habitaient et qui ont rouspété à cause du bruit, évidemment. Les enfants, ça fait du bruit, hein. Et si on l'appelle la place du ballon, eh bien voilà. Si on l'appelle la place du ballon, voilà la statue qu'ils ont fait ici. On ne sait pas si c'est tout à fait historique, mais il y a une épitaphe
qu'on sait lire, je suppose. Et alors, ce qui est plus scandaleux, plus terrible, c'est que l'andouille qui a inventé ça, ils ont mis évidemment des ballons tout partout. Ça fait le bonheur des automobilistes et on se demande même si c'est pas un carrossier qui a inventé ça. Parce que le nombre de fois qu'il y a des voitures qui viennent s'y frotter, c'est incroyable. Et là, tout au bout, en blanc, ça, Maison Peters. Aujourd'hui, évidemment, c'est devenu autre chose. Hein. À côté, c'était une banque. Non, c'était un magasin. Et l'autre côté, un Deleuze. On ne s'est pas entré dans la maison du curé, évidemment. Mais tout ça, c'est évidemment organisé pour l'école. Maintenant, c'est l'école qui est là-bas. Et ça, c'est l'école secondaire, mixte, garçons-filles, bah oui, évidemment. Et ici, ce sont les bureaux de l'école primaire qui est restée la même. La rue est méconnaissable, évidemment, les murs sont refaits, mais bon, c'est toujours la rue des frères qu'on l'appelait. Alors là, évidemment, un tas de bâtiments qui ont été construits. Par miracle, la porte est ouverte, je vais entrer. Alors, ça, c'est donc Saint-Joseph. Et alors, derrière, c'est l'école des sœurs, hein, qui est aussi Saint-Joseph. Et voilà donc le bâtiment du curé Leclerc, avec son jardin, les peupliers, les marronniers, etc., etc. Et voilà ce fameux arbre qui est toujours là, dans la forêt des Mayences. Le patron de nouveau, et alors les peupliers qui à l'époque étaient tout jeunes, comme nous. Mais voilà, on est dans la maison des Mayences, centre paroissial, mais aussi centre d'action sociale. C'est l'arrière de la maison, elle est toujours restée la même, sauf que les arbres, les arbustes, ça sent le buis. Terrible ce que ça sent. Et alors ce fameux arbre qui a je ne sais quel âge. C'est un cyprès. Aucune idée. Aucune idée. Mais il est absolument immense. À côté, c'est aussi un pin, peut-être. Ah, mais ils ont 50 ans en plus, hein, monsieur. Et le buis. Un buis qui, je suppose, devait être tout petit à l'époque, quand nous aussi, nous étions tout petits. Le fond de la rue d'Estrée. Et alors, je pense que c'est ici, de Lideker, qu'il habitait. C'est ici qu'il habitait, au numéro, je ne saurais pas dire. Et alors, avec cette maison, cette vieille maison qui fait le coin, avec même des bananiers, dit. Si ça, c'est le numéro 21, eh bien, de Lideker, c'était le 23.
Évidemment, les bananiers sont en pleine chaleur, ils sont en plein soleil. Arrive Van der Steen, et si on n'est pas certain, eh bien la voilà. Et pour ceux qui en douteraient encore qu'on est à Goïssart, eh bien voilà la ruelle par laquelle on partait au Bois Puissant, qui se trouve, on est à la rue d'Estrée, voilà, rue Jules d'Estrée, et la ruelle partait vers la rue de Marchienne et puis le Bois Puissant. Tatio, quel souvenir! Eh bien voilà, on est ici au cercle, la maison de tous, avec en face, c'est les sœurs, et l'église est toujours là, elle n'a pas encore changé. Et on essaye d'ouvrir la porte. Si on ne sait pas, c'est pas grave. Ça va donner quand même un petit peu, ben voilà. C'est ici qu'on recevait les prix, en 6e primaire. Voilà, tiens, en tout cas, elle est bien arrangée, la salle. C'est autre chose que dans notre temps, hein. La rue César de Pape, ça, on connaît. Et alors, il y a un monument historique qui se présente là-bas au bout. Eh bien voilà, la Brasserie de l'Union. La Brasserie de l'Union qui est toujours là. Avec brasserie de la rue de la Madeleine, la Brasserie de l'Union, avec les grosses cuves. Mais je crois qu'on a enlevé les grosses cuves. Voilà, et maintenant on va vers Aigne. Tout au bout, il y a la chapelle d'Aigne, c'est là que commence la Madeleine. Mais moi, je vais pas jusque là, puisque je vais chez Agnès, ma nièce, ici à gauche. Ciao! Et voilà, quel est jumeau-toi qui ne se souvient pas de la chapelle Notre-Dame-aux-Bois? Ben, elle est toujours là, fermée évidemment. Je crois qu'il y a encore un pèlerin. Enfin oui, il faut encore la neuvaine, mais il n'y a presque plus personne. Et alors derrière, le bois, et donc les logements sociaux qui sont derrière. Et ben voilà, on est dans cette célèbre église, il y en a qui doivent... Ils doivent s'y retrouver. Avec... Ben oui, hein, tout ça, ça a été rénové. Avec au fond, là, les orgues. Lucien, je ne sais pas si tu te souviens. Ces célèbres orgues, créneaux d'une pipe. Bon, ben, les chaises, évidemment, c'est différent. Et alors, tout le long, il y a des photos. J'irai prendre les photos. Et en attendant, eh bien voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est mémoire d'une paroisse. C'est le 150e anniversaire de Jumet-Goïssart. Voilà, on en a fait des choses pendant toutes ces années. Et quand on était gamin et qu'on devait servir la messe ici, fallait pas que ça dure trop longtemps. Jean-Peter, s'il en avait marre. La sacristie, l'autel. Et donc, de l'autel, on avait vu sur toute l'église. Alors maintenant, je vais vers la sacristie. Voilà, l'entrée de la sacristie avec je ne sais pas qui est-ce qui est là. Comme gardien, ça doit être qui ça? Un premier doyen ou je sais pas moi, le vigor. Et ça c'est la sacristie, entièrement rénovée. Entièrement rénovée, avec les bidules à chasubles, avec la porte qui descend vers l'extérieur. Et avec des bons hommes. C'est ah ben, le monsieur qui est là à ta droite, Lucien, c'est Christian, tu te souviens. Et à droite, il est en compagnie de. Son fils. Le fils à qui? À moi. À lui. C'est pas vrai. Tatiotti. Ah oui. Vincent, hein, que tu as ah oui, c'est l'autre. Oui.
Enfin, voilà, ici c'est toujours la même chose, hein. Moi, je ne me souviens pas comment ça allait. En tout cas, c'est comme ça.
savais pas. Vous savez pas que. C'était quand j'étais. 73, 74 que j'étais rentré. Il était là quand même. Oui. Bien. Oui, maman. C'était le jumeau de ma belle-mère. C'était le jumeau de bonne maman. On l'a trouvé, vous savez. Mais c'est bien. Oui. Ah oui, ça parce que ça m'étonnerait que Christian ait oublié. Thank you.
impressionnant. Ah, c'était incroyable. Et nous, on était là au-dessus, hein. Oh, c'était incroyable, ça, les missions. Et c'était rigolo. Non, c'est vrai. Parce que les prédicateurs, ils rigolaient. Non, c'était vraiment agréable. Mais il y avait des prières aussi, hein. Mais je me souviens que nous, on allait se balader dans ces trucs-là. Et ça durait combien de temps, ça, l'émission? Je crois que c'était une semaine. C'est des gens extérieurs. Et tous les jours, oui. Oh. C'était les rédemptoristes qui venaient. Ah, ouais. Oui. Et alors, oui. Non, c'était agréable. Hein. Je suppose qu'il parlait, qu'il donnait un témoignage. Il parlait qu'il fallait se convertir, qu'il fallait prier, hein, qu'il fallait être fidèle à son mari. Hein, Oui. Faut pas croire, là. Hein. Fallait être des bons chrétiens. C'était pour convertir. Et voilà le curé qui est là. Ah oui, c'est la fois que j'ai passé plus de temps dans le bon sens. C'est passé 8 ans. C'est vrai?
Oui, oui, il n'y a pas de photo de mon casting. Non. Et c'est Arthur qui, là? Auparavant, il était là-bas. Il était curé? Ici, oui. Il était non, curé? Pas curé. Non. Non. Pas curé, mais... Il est quand même aussi. Et anciennement, il y avait sa photo là-bas. Et elle n'est plus. Oui, mais... Delle Ferrière. Ah, Delle Ferrière, oui. Arthur. Ah. Arthur Delle Ferrière, oui. Eh bien, il n'est pas là. Moi, je suis là. Même pas la Bernard. Peut-être qu'on va le voir plus loin. Delle Ferrière, mais oui, je me souviens d'un Delle Ferrière. Il est mort en 67 ou en 68. Ah, les... ça, ce sont les doyens. Les curés qui ont... Ah, je l'ai vu, je suis allé chez lui ce matin. Paul, oui, mais c'est vrai qu'il a eu, des gros problèmes. Hein. Il a eu des gros problèmes et alors maintenant, il se déplace pratiquement plus, sauf si on le conduit en voiture. Et heureusement, il y en a qui s'occupent de lui pour les repas, etc. Non, Paul, ça, il est toujours là. Mais il se prépare à partir. Ah oui, ça, je me souviens de cette icône. Merde. Tiens. Elle est quelque part, voilà, je lis. Qui ça, Paul? L'icône. Ah, l'icône. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Si tous les gars du monde devenaient
marcher la main dans la main, le bonheur serait pour demain. Ne t'abonnez pas de vivre et monstre, ne dites pas qu'il est trop blond, donc il est noir comme du charbon, ni même qu'il est.
Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à tous ces formateurs laïcs et religieux, des instituteurs comme Jean Conrot, frère Jean, frère Henri, ainsi que tous ces nombreux prêtres qui ont donné leur temps et leur jeunesse. Je songe à Lucien Chevalier, à Tintinaglia, Jean Charlier, Ouattillon, tous ceux qu'on a déjà cités. Tous ces formateurs ont contribué à produire des centaines de pères, de mères, de familles qui aujourd'hui sont devenus des grands-parents ou même des arrière-grands-parents. C'est ces familles qui sont engagées, qui continuent à s'engager aujourd'hui dans la société pour la rendre meilleure. Il ne faut pas oublier non plus que probablement une dizaine de prêtres et de religieux qui sont sortis de cette génération. Je passe une